Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo est vraiment spéciale puisque je vais vous montrer comment avoir le dodo. Bon, c'est le dodo, c'est le un drôle de compagnon mais un très bon mais un très drôle dinosaure, pas sûr, plus oiseau puisque en fait dans tout le jeu c'est ce chose le oiseau géant là, qui est c'est le dernier à être éteint. Bon, le dodo, c'est pas si difficile à avoir en fait. Il faut juste avoir un peu de patience, des médioberries et un petit peu de narcoberries. Pas besoin des narcotiques, hein. Et aussi, vous pouvez bien aller au lance-pierre, mais faites attention avec le lance-pierre, visez pas la tête. Sinon, vous avez peut-être une chance de le tuer. Et je vous dis, tuer un dodo, c'est pas très le fun. Parce que c'est quand même un dinosaure qui est drôle à avoir. Bon, aussi, avec le dodo, qu'est-ce qu'on peut faire avec, bien sûr? C'est qu'on peut le prendre et le lancer. Oui, c'est logique. Aussi, il n'y aura pas de dégâts de chute comme je peux le montrer dans la vidéo. Il sera totalement correct, il n'y aura aucun dégât de chute. Regardez, voilà. On va voir sa vie. Regardez, aucune vie est perdue. Autant grande que d'habitude. Fait qu'on peut voir, bien voir qu'en fait, la vie est pas enlevable niveau chute. Mais il peut aussi, on peut attaquer avec. Pensez pas à tuer un T-Rex avec. Hein. C'est plus comique, tu es avec lui, c'est surtout sa démarche, hein. C'est long, hein, vous allez voir, ça va être un petit peu long. Mais il peut faire un petit peu de points de dégâts qui peut être un peu intéressant. Bien sûr, il faut faire attaquer à sa cible, il n'est pas carnivore, il est herbivore. Et Medjugorje, c'est mauve, hein, c'est les mauves, fait que, s'il vous plaît, prenez pas de la viande, hein, il va pas la manger. Fait que, c'est un herbivore plutôt sympa. Et en plus, quand vous êtes en groupe, moi et mes amis, on a testé, on a pu tuer un tricératops. C'est ça, là, un tricératops, là, quand même, avec une armée de dodos. Un seul, il se ferait tuer seul. Donc là, je vais activer l'attaque à la cible, bien sûr. Là, je vais m'approcher. Fait que pour activer attaque ma cible, je vais, comme vous l'expliquez, désolé pour le petit lag. Bon, regardez. Il faut lui donner un petit coup de poing. Et là, il va aller l'attaquer. Regardez. Bon, pensez pas. Regardez, il manque sa chute. Il l'a frappé. Et là, c'est plutôt long. Hein. Vous allez pas tuer une armée avec. Le dodo, c'est plutôt un ajout plutôt drôle. Mais bien sûr. Fait que le dodo est plus éteint en... Je sais pas, mais je pense entre 1500 et 1800, puisqu'il y avait plus de femelles. Hein. En fait, plus de femelles égale plus de reproduction. On va parler maintenant de ses œufs. Ses œufs, ce sont très compliqués. Hein. Si vous voulez avoir un dodo, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire à la place d'un dodo. Ça vous prend une chaleur entre 22 degrés. Et en plus, vous devez attendre 3 heures juste pour que ce bébé, après, il sera capable de se nourrir tout seul. Fait que, j'espère que vous avez aimé, ce petit tuto pour le dodo en question. Merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine. Ciao!